L'autre jour, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. En fait, non. Quand je vois la gueule qu'on tire dans la rue, ça me donne vraiment pas envie de dire bonjour. On tire tous une tête de 6 pieds de long, de vraies faces de carême, comme dirait l'autre. D'ailleurs, ça ne choque personne, cette expression, face de carême. On se rend compte que pour la plupart des gens, le chrétien est triste. Ça me rappelle Nietzsche qui disait « Je croirai en Dieu le jour où les chrétiens auront des gueules de ressuscité ». Pour le coup, c'est pas aujourd'hui qui va changer d'avis. Hein. Mais sérieux, elle est passée où notre espérance? J'ai l'impression trop souvent qu'on est resté au Vendredi Saint, où le Christ meurt en croix et fin du game. Vous vous rappelez qu'il est ressuscité? C'est la joie de Pâques, hein, c'est pas la tristesse de Pâques. Alors oui, c'est vrai que l'actualité qui nous entoure est grave, que nous avons tous des moments difficiles à porter. Mais déposons-les au pied de la croix. Le Christ a déjà pris notre fardeau sur ses épaules. Il est celui qui nous dit « n'ayez pas peur ». Et si la clé c'était ça? Changer notre regard pour changer notre cœur. Ne plus regarder avec les yeux de la peur, mais avec ceux de la confiance. Alors oui, ayons des gueules de ressuscité. Témoignons par notre regard et notre cœur que le Christ est ressuscité et qu'il nous a déjà sauvés. Car comme je vous le rappelle à chaque fois, God is love.